Alors bon. J'ai écrasé l'ardillon, mais pas suffisamment. Cette mouche, là, c'est une mouche à hameçon doré, mais je les ai achetées en brocante. Et elles étaient avec ardillon. J'ai écrasé les ardillons, mais pas assez suffisamment. Et puis j'ai pas la pince sur moi. J'ai changé de blouson parce que ça va pleuvoir. J'ai le blouson imperméable. Et j'ai oublié de prendre la pince. Sinon, j'aurais me donné un petit coup. Que bon, ça se défait, mais ça accroche un peu, je trouve. Oh, j'en ai monté sur les hameçons de veau, c'est bien. Les hameçons de veau, c'est bien. Sans ardillon, que j'ai acheté à Centre-Pêche. Ils vont bien. Je changerai peut-être de mouche tout à l'heure, je vois. Et puis celle-là, mais bon. Là, ça défend bien. Je fais pas de mal. Je fais pas de mal. Mais il faudrait que je les creuse un peu plus. Non. Elles sont pas là, les abeilles. Elles sont là. Les trouver, hein. Pas partout. La caméra, parce que des fois je crois qu'elle est bien réglée quand en face, et puis je suis à côté, elle est pas bien orientée. Ouais, comme elle est accrochée avec le harnais sur moi, donc des fois je vois pas bien. Voilà, les abeilles sont là. Elles se déplacent, mais elles sont là. En général, elles sont là. Se sont déplacés, ils sont là-bas maintenant. Parce qu'il y a un gros poisson qui est venu là. Je sais pas ce que c'est, un cheval. Puis il les a fait partir. Ouais. Je me trompe pas, je suis là. J'ai vu sauter un gros cheval tout à l'heure là-bas.
attention de ne pas allez, c'est parti. Bon, par contre, je vais ramener un peu de poids, j'en ai un peu trop déployé. Je ne vais pas pêcher bien loin, je pêche par là. Ça suffit. Toujours rester en vue parce que j'aurais dû réduire un peu le bas de ligne parce qu'il est vraiment grand. Et ça, c'est ça qui me fait louper parce que je ne suis pas assez tendu. Et pour les ablettes, c'est pas la peine d'avoir un bas de ligne trop grand. C'est ça, j'ai détendu et un peu de mou, et ça y est, ça s'est décroché. Ça, c'est pour voir. Ça donne des chances aux poissons comme ça. Je vais peut-être. Alors, il est un peu long, ce bas de ligne. Je vais le raccourcir. Un peu trop long. Je vais raccourcir. Ça, ça ira mieux pour moi. Je l'ai raté et il est trop long, vraiment trop long. Donc, je vais raccourcir ça tout de suite. Parce que je ramène la soie, mais voilà. Bon, où c'est que je suis? Je vais le prendre. Il est pris ici. Je vais le raccourcir d'ici. Pardon. Attention un petit peu. De toute façon, j'ai la micro-boucle en haut, mais je le raccourcir d'ici. Pour l'équilibrer à peu près. Je vais pas le. Je vais regarder. Donc je vais un petit peu. Un petit peu ici. Il faut pas en enlever beaucoup quand même, mais bon. Et puis je vais en enlever plus si je vais carrément couper cet embout. Là. Maintenant, je vais l'accrocher ici. Je vais faire un nœud de chirurgien. Comme je l'ai dit, je passe deux fois dans la boucle. Moi. Il y en a qui passent trois fois, mais deux, ça suffit.
Ça ira mieux. Je vais au moins rater comme ça. Voilà. J'en ai assez long quand même, mais un peu moins. J'avais trop vraiment trop long tout à l'heure. Mais ça va mieux, c'est déjà mieux équilibré, ça flotte moins. Ah, c'est plus précis. Elle suivait la propriété. Ah, ça va mieux hein, quand même. Pour le ferrage et tout, je suis plus tendu, là ça va mieux. On n'est pas dans une grande rivière, hein, donc on pêche des ablettes, c'est pas la truite, hein, c'est pas le saumon. Hein. Bon, mais c'est pas. Si je pêchais le saumon, c'est pas qu'une canne comme ça que je pêcherais. Hein. Une canne 16-17 pieds, et alors une soie de 12-14. Faut que je l'agresse la mouche, tu vois, faut que je l'agresse encore. On va la sécher un peu comme ça. Je vais mettre dans le coin là. Bien, dans le coin là. Là, elle remonte le long du béton là. Je ne vois pas. Ça se calme par moment, elle monte pas tout le temps. Mais enfin, ça mord pas mal aujourd'hui. J'ai le soleil dans les yeux. Faut que j'essaye de changer de coin aussi. Peut-être par là. Hein. Peut-être en faire une par là. Elle remonte ces ablettes. Ah,
Hein. Pas toujours lancé dans le même coin. Ah, puis je vais finir par couper la vidéo parce que ça va être trop long, je vais passer des heures pour y mettre sur YouTube. Bon, je vais arrêter. Je vais arrêter, je vais remettre ça à l'eau. Voilà, je vais arrêter. On va s'avancer. Bon, je mange un peu tard, moi. Ça fait combien? J'ai pêché une heure à peine. Bon, que je vais aller remettre ça à l'eau. Et puis après, je vais mettre sur YouTube. Bon, je vais vous faire voir à peu près que j'ai pêché en une heure. Bon, c'est vrai, je ne fais pas tous les coups, mais bon. Faut pas se plaindre, hein. Si je restais deux, trois heures, là, j'en ferais quand même une bonne friture. Mais bon, c'est pour remettre à l'eau. Je vais les remettre à l'eau. Je sais pas, j'en donne aux voisins, mais bon, là, ils m'ont dit qu'ils en avaient assez. Donc, je vais les remettre à l'eau. Ils vont retrouver leur milieu naturel.
Je me suis fait une luxation du coude l'autre jour. Et franchement, ça me fait mal. Les tendons. Les tendons et ça me fait mal. Alors, pour pêcher, c'est... faut pas que je force sur le bras gauche. Et pourtant, il faut qu'il travaille le bras gauche. C'est impératif. Le bras gauche doit travailler aussi bien que la main droite. Bon, allez, on y va. On va aller mettre ça là-bas. Allô. J'aime mieux voir le Sichon comme ça, avec son milieu naturel, comme ça, avec ses arbres, sa cassia. Il y a les ronces, il y a un peu de tout, comme ça, les herbes montent, qui montent, que du béton. Je préfère voir ça. Bétonner tout ça, c'est dénaturé. On se croirait avec un petit air de verdure, comme ça on se croirait un petit peu, on est en ville, mais ça donne un petit peu l'air de campagne. Ça me fait plaisir, ça. J'aime mieux voir ça que le béton. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire quand ils vont refaire les berges. Ça va pas être si joli. Je vais mettre ma canne, je vais la mettre là-bas. Je vais poser ma canne là-bas, parce qu'en fait, il y a des chiens qui arrivent. Je vais la poser là. Je vais la poser sur l'herbe là. Voilà, c'est bien. On va remettre ces poissons à l'eau. On va mettre de l'eau, il y a du courant, hein. On va le mettre là. Ça, c'est joli avec. Bon, et ben on va fermer ça, on va sortir le son. Et on va vider. Allez, on va retrouver ces copines là. Allez, c'est reparti. J'ai passé un bon petit moment à la pêche. Ça m'a fait plaisir. Pour moi, c'est ça la pêche. Allez, bon appétit à tous. Je ne sais pas si vous avez mangé, mais c'est qu'on a mangé. Bon appétit à tous. Et puis, bonne fin de journée. Et puis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Je coupe, il commence à pleuvoir là.